Pour les voir, il faut bien lever les yeux et être plutôt observateur. Ces étranges boîtiers blancs sont des routeurs Wi-Fi. Connectés au réseau Internet de la ville, ils permettent aux passants d'accéder gratuitement à Internet. Alors là, tout simplement, on est dans le centre-ville, sur l'espace public, place des Halles, place de l'Église, place de la mairie. Vous prenez votre tablette ou votre téléphone, et puis tout simplement, vous venez choisir le Wi-Fi for You dans le cadre de l'ensemble des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles pour votre équipement. Vous connectez, vous n'avez pas besoin de mot de passe, et donc l'utilisation est assez simple pour n'importe quel utilisateur. Pas besoin de code, pas de limite de temps, l'objectif est d'assurer à tous ce service. En observant les besoins des jeunes, la mairie a choisi d'installer ses routeurs Wi-Fi dans des lieux assez fréquentés, au dojo, à l'espace Villeneuve ou encore dans le centre-ville. On le voit parfois lorsque le Wi-Fi, même interne de la mairie, est accessible parfois de l'extérieur, on a quelques rassemblements de jeunes le soir qui viennent consulter et donc se connecter au Wi-Fi. En répondant à un appel à projet de l'Union européenne, la ville d'Aisnay a été sélectionnée. 15 000 euros ont donc été dépensés par l'Union européenne pour les équipements. La mairie s'engage à financer l'abonnement sur 3 ans. Il y avait aussi cette opportunité d'obtenir une subvention de la part de l'Europe qui nous a permis de réaliser l'ensemble de l'opération avec un coût résiduel pour la commune de 280 euros. 627 communes françaises ont été sélectionnées pour recevoir la Wi-Fi gratuite. Un coût total de 9 millions d'euros.